Vocabulaire maternel vise à développer le langage des enfants grâce à un apprentissage systématique du vocabulaire et des formes syntaxiques. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter une autre utilisation possible des cartes et de l'application. Pour cette activité, il faut bien sûr avoir déjà proposé l'activité 1 de présentation du vocabulaire. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller voir la première vidéo qui vous explique tout. Pour cette nouvelle activité, je prends les cartes sur lesquelles je veux travailler et je les cache dans une pochette pour ne laisser visible que le QR code. Selon le thème étudié, je vais choisir d'utiliser soit les sons, soit les définitions. Voyons d'abord le cas où nous utilisons les sons. Pour cela, il faut bien sûr que les cartes choisies aient des sons associés. Il s'agit par exemple des animaux ou des instruments. Le principe est très simple. Je leur fais écouter le son et ils doivent simplement deviner de quelle carte il s'agit. On scanne le QR code. On écoute la bande son. On laisse les enfants faire des propositions et puis on retourne la carte et on peut voir qu'il s'agissait du hautbois. On refait la même chose évidemment avec toutes les cartes. Le jeu suivant consiste à proposer cette fois-ci les définitions des cartes à la place des sons. L'exercice est très différent puisque cette fois il fait appel à la compréhension de texte et d'inférence. À nouveau, on a caché les images dans la pochette pour ne garder que le QR code. On scanne le code. On écoute la définition. Elle sert d'étui à l'écolier. Il y range ses crayons, ses stylos et tout le petit matériel qu'il utilise en classe. Attention, quand il propose un mot, il est important de leur demander ce qui leur a permis de trouver. Et on prend le temps d'expliquer les mots inconnus pour renforcer encore leur vocabulaire et l'image mentale qu'ils se font de l'objet. Voilà, vous pouvez donc refaire ces deux jeux autant de fois que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo pour vous présenter un autre jeu. À très bientôt. Vocabulaire en maternelle, une solution complète pour toutes les activités de langage en maternelle.